Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ne vous inquiétez pas sur le stream, on n'est pas parti pour de vrai. Même si tu as laissé un gros blanc. Je pensais que t'allais reprendre. Bon, alors pour fêter cette nouvelle partie, je te passe la manette parce que t'as jamais joué. Ah bon, carrément? Ah ouais, oui. Tu me fais cet honneur. Eh oui, bah oui, là, c'est que moi qui joue. Du coup, moi, je sors par la porte la plus éloignée. Tu veux peut-être retourner au début du... Ah, 3, 2, 1, partez. On t'a rien demandé. C'est quoi ce bruit? Allons jeter un œil. Vous êtes... Un cheval en détresse! Ce cheval est-il un mâle ou une femelle? Ah bah attends! Parce que si on est censé l'affilier à quelqu'un... Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est vrai que là... On connaît pas. On connaît pas du tout. Mais moi, en fait, ce que je voulais, c'était tirer quelqu'un au sort et lui donner le nom. Du coup, là, je pense qu'on peut faire un petit tirage rapide. Je fais ça vite fait. Vous pouvez pas l'affilier à quelqu'un, je crois. Comment ça, on peut pas l'affilier à quelqu'un? Bien sûr que si, on peut l'affilier à quelqu'un. Bien sûr que si. Hein, moi, je ne peux pas. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais, c'est pas grave, Lemi. C'est pas grave. Bien sûr que si, on va l'affilier à quelqu'un. Il s'appellera Nicolas. Nicolas! Voilà. Et... Ah oui, mais Nicolas, du coup, il ressemblait à quoi, son mi? Parce que je voulais le modifier pour que... Ouais, bah, c'est un peu compliqué, là. On peut faire un cheval mignon. Mais non, mais tu peux regarder quel caractère il avait. Peut-être que ça peut nous indiquer... Il est prudent. Il est prudent? Ah, bah, techniquement, du coup, ça veut dire que c'est le dernier. Élancé. Voilà, ça c'est un cheval prudent. C'est un cheval prudent. Ah, mais on va faire comme ça, en fait. Il va avoir que les derniers. Il va avoir que les derniers. T'inquiète pas, Nicolas. On te changera après, peut-être. Oh, bah là, ça changera pas. Ah, il peut même avoir des cornes. Oh, il peut avoir des cornes du démon. Oh là 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 là, mais on va avoir le cheval le plus épique de l'univers. Oh, c'est incroyable. Ah, oui, d'accord. Il est incroyable, Nicolas. Est-ce que tu as une couleur préférée? Moi, non. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent revoir Galak un peu. Ah ouais. Donc, ce sera le Galak des ténèbres. Bah, en fait, je vais le changer alors. Je vais le changer en Galak. Finalement, je vais peut-être pas trop délirer. C'est quoi ça, les jambes? C'est très bien. On peut pas changer les sabots? Ah si. Enfin, non, j'en sais rien. Trop bien, j'allais dire les cheveux qui se terminent en noir. Voilà, c'est ça la création de personnage. Ah oui, on peut même changer la couleur des cornes. Attends, du coup, je vais mettre ça pour... Oui, du coup, ça veut dire qu'on est pas obligé de faire un cheval, finalement. On peut carrément se retrouver avec un taureau, par exemple. Il y a déjà eu des nouveaux liens, un cheval, mais encore. Là, on est dans la création de cheval, ça va prendre une demi-heure. Mais non, je regarde ce qu'il y a. Tu n'arrêtes pas de manger le sol, là, il est complètement... Wow, c'est incroyable. Galak, il était plutôt comme ça. Ah, d'accord. Oh, on peut même le voir. Très bien. Alors, on peut le nommer? Peut-être pas encore. Le cheval est en danger. Bah, j'ai bien joué en tout cas, moi. Merci, ça m'a fait beaucoup plaisir. Il faut l'aider. Juste... Oui, bah ouais, à toi aussi, Adonair. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, alors moi je sais plus comment on joue. C'est pas grave, t'as réussi. Ah, c'est... Bonjour, Adonair. Il arrête pas de jouer. Alors, Adonair, tu viens? Il est super Végéta! Tu vois, ils font rien de dégâts, ça y est, ils sont devenus super nuls. C'est à cause de tous les jambons qu'ils ont consommés. C'était une promenade de santé. Un tonnerre veut voir la gacha d'Emi. C'est bon, tu n'as plus rien à craindre. Bonne chance pour la suite. Ah, il danse. Il a l'air content quand même. Il danse. Oh, regarde, il est avec nous. J'ai oublié ma réplique. C'est pas grave, Tali. Tout pareil. Un tonnerre, il a dit miaou, maintenant il a dit ronron sur vous. Il nous a suivis. Tu veux venir avec nous? Intégrer le cheval à votre équipe? Oui. Allez, viens avec nous.
Le cheval a rejoint votre équipe. Et il a pas de nom. C'est pas grave. Pas grave, ce sera Nicolas. C'est Nicolas. On le sait. On le sait. On le sait au fond. Au fond, c'est Nicolas. Est-ce qu'il saute dans le... Ah non, il saute. Il a retiré le chat. À tonnerre, faut pas éteindre... Mais t'as tout éteint. Mais qu'est-ce que t'as fait? Moi, je croyais qu'à tonnerre, il avait éteint la télé. C'est pour ça que j'ai éteint la télé. Oh là 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 là. L'écran était noir. Pour moi, la télé était éteinte. Il y avait bien écrit un truc. Non, il y avait rien. Si, il y avait écrit... Ça alors. Le cheval a rejoint l'équipe. Ah bah... Bon, à tonnerre, par contre, arrête de faire des bêtises. Il est grand. Bah, à tonnerre, oui aussi. Il a l'air très puissant. Il est trop mêlé. Oui. Eh mais... Comment on va l'appeler? Ah, finalement. Bonne question. Oui, on sait déjà. Laissons Tali décider. Ah, finalement, c'est bon. C'est Nicolas. Après, là, Nicolas, actuellement, c'est un cheval blanc, mais peut-être qu'il changera. On n'est pas à l'abri des surprises. Si on l'appelait Nicolas, ça vous plaît? Nicolas? Qu'est-ce que tu en dis, Vegeta? Ouais, ça sonne bien, Nicolas. Oui, c'est bon. Parfait alors, c'est décidé. Qui l'eût cru que... qu'il était plutôt dur à aimer les trucs mignons. Notre nouvel ami équin s'appelle Nicolas. Santé. Je t'ai trouvé en l'un. Nicolas. Oui, oui, très bien. Ça me va, ça me va. Ça te va bien. Et t'es devenu un peu ami avec le cheval. Oui. Un cheval, c'est adorable, mais c'est aussi fort et courageux. Entendez-vous, avec le cheval et les combats seront plus faciles. Pour renforcer votre relation, rien de tel qu'une nuit à l'écurie. Allez donc tenir compagnie à votre équipier à crinière. Oh, regarde, il veut voir Vegeta. N'importe quoi. Nicolas, il veut voir Vegeta. N'importe quoi. Mais pourquoi le cheval, il veut voir Vegeta? Mais parce qu'il mais sait. Pourquoi il sait? Mais comment? Tiens, une carotte. Eh oui, c'est ça qu'il faut faire aux carottes. C'est fourbe, Vegeta. C'est fourbe, Vegeta. C'est bien fourbe tout ça, moi je dis là. Oh là 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 là. Eh ben vous savez quoi, vous allez rester ensemble. Mais Black Doom, il devait être ami avec Vegeta. Oh oui, c'est bon, ils sont déjà bien liés d'amitié, je trouve. Je trouve qu'il... Ah oui, du coup, on a une nouvelle truc. C'est quoi, c'est de la magie? Bah tiens, Vegeta. Attends, il a déjà goûté. Non, il a déjà goûté. Tiens, il a un goût avec lui. Bah, faut pas manger l'assiette, Vegeta. Hein. Je peux comprendre que tu manges pas. Et bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Allez, on va essayer. Tali. Ah. Tali, elle est bien, il met tout le monde comme quoi. On va donner le super jambon là, parce qu'on vient de tuer les. On peut pas donner du jambon au cheval, je comprends pas. Bah, il a déjà mangé une carotte. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais il aime bien ça, lui. Mais oui! Salut Sissineko, j'arrive un peu en retard, mais pile à temps pour la fin de la démo, donc c'est parfait. Eh oui! Bon, et puis on va pouvoir partir. Ah non, quoi, on va faire un petit coup du jeu quand même? Non, c'est nul. Ok, salut. Bon! Mais non, je veux pas m'occuper, je veux partir. Je vais remettre mon petit chrono. Et voilà! C'est parti! Ah, il a pas de niveau le cheval, c'est trop génial! Bon, ça y est, on va pouvoir aller voir Noah, notre garde préféré. Et après, on pourra rencontrer Lo. Ah oui, j'avoue, je suis pas loin. J'avoue qu'ils nous ont demandé de générer... Ah, mais si, j'allais dire, on a pas vu les mythes qu'ils nous ont demandé de générer, mais si, on a vu Maria, la fan de Nintendo, Chiki. Bon, voici le soldat strict, Noah. Cette route mène au château du début. Je suis désolé, mais... Oh, mais vous avez une lettre d'introduction du maire. Toutes mes excuses, je vous en prie, allez-y. Ah bon, merci, Noah. Il est beaucoup trop gentil, Noah. Attends, mais comment on voit là? Bah, peut-être pas tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je suis fortement déjà pointé. Allez, c'est parti. On va enfin découvrir. On peut aller moins vite, d'accord. Oh.
voir, regardez, on voit le château d'ici. Ça, c'est du château. Je me demande si c'est là que se trouve le roi. Je sais pas, moi j'ai encore jamais vu de roi. Mais c'est n'importe quoi, Vegeta. Tu dis des mensonges. Je suis le prince des Saiyans, pas le roi. Mon père, je m'en souviens plus, c'est bon. Ah. Bon bah. On saura pas ce que dit. En avant marche. Oh. Oh, ticket de jeu. Ou levier. Ticket de jeu ou levier. On veut ticket de jeu. On va leur montrer ce qu'on sait faire. On se calme. Allez, hop. On ouvre ça, c'est magnifique, c'est splendide. Des tickets de jeu. Ah, je m'y attendais pas. J'avoue, ils nous ont spoilé. Même pas un petit combat là. Ah, quand même. Il ment, Vegeta en plus. Mais il ment pas, il se souvient plus. Ah, il faut appuyer sur A pour ça, quoi. Ça me oui, oui, ça commence pas tout de suite. Du coup, des fois, j'oublie d'appuyer sur A. Et du coup, je me demande ce qui se passe. Le cheval, quoi, ça fait. Je suis super Vegeta. Oh là là. Ah, cette fois-ci, ça n'a pas touché. Ouh là là, mais tu es pas Vegeta, le pauvre. Et cheval, tu attaques pas, d'accord. Mais attends. Attends. Moi, j'attends pas. Pour l'instant, il observe, c'est la première fois qu'il fait un combat. J'avoue, c'est pas... C'est pas... Laisse Nicolas découvrir les joies du combat. Vous avez pas la salière qui ranime. Et non, on est jamais mort. On est jamais mort, donc pour l'instant, pas besoin. Oula. Oh, il a tué personne. Oh, on a reçu un don. On a reçu un petit don. Oh, et en plus, Black Doom a gagné. Ah, ça s'est pas mis à jour. Voilà une bonne chose de faite. Comment ça, bien fait Black Doom? Il est où ce géant le plus fort? Voilà, il est fatigué, voilà. Ah, mais il est bien. Et après, il gambade. Très très fatigué, très très la fatigue. Et Sissi Nico qui nous donne 15 euros en disant voici un type pour fêter la sortie de Mythopia. Quel bonheur de pouvoir assister à un nouveau chapitre de vos aventures sur ce jeu. Et aussi pour vous soutenir tout court. Un message sur le chat, faites des dons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le seul roi que Vegeta connaît, c'est Nicolas. Le meilleur. Personne n'a besoin de soin. Oh, tu peux tuer un cumulus. Je pense qu'elle va le tuer. Bien sûr, ah elle bon. Est super forte, Tali. Bah, elle a voulu impressionner. Oh. Attention. Oh non. Ça va, il a. Non, fallait pas manger la banane, j'allais te soigner, Ribbon. Bon bah. On va tuer la Banshee. Tali est de bonne humeur et pleine d'énergie. Elle fait plein de dégâts. Regardez-le là, il va manger son. Non, non, ça va, il a pas mangé, il a pas mangé, il a pas mangé. Voilà. Par contre, je viens d'y penser, mais je trouve le jeu un peu fort par rapport à vos voix. Ah. Oh. Développer des relations d'un membre de votre équipe avec 3 équipiers au moins jusqu'au niveau 4, bravo. Bien, j'irai le diminuer au prochain tirage. Au prochain tirage. Ah mais on apprend des attaques. Attaque montée, montée en selle, augmenter la puissance de votre attaque. Ah du coup il... Oh Vegeta il est mignon. Il a dormi contre le cheval. Du coup, il faudrait monter le niveau du cheval avec tout le monde. Mais oui, et après, on pourra dire ce cheval est le plus fort de notre armée. Bon, attends, on va mettre Tali à commencer. Bah, c'est très bien, là. C'est l'heure du jeu. Peut-être. Oh, 2 tickets de sortie. Moi, je dis ça se tente. Moi, je dis ça se tente, là. Les 2 tickets de sortie, ça ferait plaisir. Je trouve aussi que parfois, le son est fort selon les musiques. Et oui, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes de son, parce que bah nous, on n'entend pas, donc du coup, voilà. Regarde, on a gagné 2 tickets de sortie. Donc, je me propose qu'on aille faire une sortie avec, avec Nicole. Et peut-être que Vegeta, il peut partir avec le cheval. Bah non, maintenant, c'est... Ça dit pas avec qui elle part, si Si, ça clignote. Là, c'est Tali Ribbon. D'accord. Bon. C'est qui a le plus bas niveau? Elle part avec machin. Mais tu peux les changer de salle et je pense que ça les fera changer.
tu veux qu'elle parte. Vegeta, il est niveau 3 avec Black Doom, machin, et niveau 3 avec tout le monde. Bon, oh, allez. Black Doom. Allez, Black Doom et Vegeta, allez, allez, allez boire un café là. Oh, mais ça veut dire qu'il y aura toujours une personne qui dormira tout seul dans l'équipe. Ah bah après il y a des gens qui préfèrent rester en solo. Peut-être que le cheval aussi, au bout d'un moment, il sera monté de niveau avec tout le monde et du coup on pourra le laisser tout seul. Qu'est-ce que tu bois ? De la soupe de gobelin. Tu veux dire de la soupe de gobelin ou avec du gobelin ? Attends, je regoute, je suis pas sûr. Je sais pas, mais c'est bien crémeux. Tu veux une gorgée, Vegeta ? Ok. Ah, c'était infect. Et puis ça fait plaisir à Black Doom. Eh bah quand même. Maintenant on peut avoir 10 000 dans l'auberge maintenant du coup. On pouvait avoir 10 000 dans l'auberge de base. Je crois que c'était 10. Oui, c'est 10. Donc du coup, bah, je pense que ça a pas changé. Mais on n'est pas encore à ce stade du jeu, donc je ne sais pas. Le groupe c'est deux fées et deux aliens, c'est marrant. Ouais mais bon. C'est de l'attaque, mange Ribbon. Mais elle attaque aussi, Tali, elle fait pas que du soin. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu veux dire 11, bah techniquement, il y a le cheval, c'est le 11e. Est-ce que le cheval peut manger? Oui, tout à l'heure, Vegeta lui a donné une carotte. Il lui a donné Sangoku. Il lui a donné Sangoku sans aucune pression. Oui, mais on a assez... Oh, il veut les vêtements. Oh mon dieu. Il veut s'habiller en Link, waouh. Bon, allez, on va lui acheter. Oui. Faudrait la mettre en invisible. Mais non, Black Doom. Ça y est, ça commence. Merci, Black Doom. Hein. Voilà, c'était prévisible. Il fallait bien que ça arrive au bout d'un moment. Nous y sommes. Nous y voilà. On va pouvoir entrer dans le château, je crois. Ah non, il faut qu'on y retourne pour aller faire le pilier, là. Le levier. Et puis il y aura moi à aller voir avant. Tu veux aller te voir avant ? Non, mais je veux dire avant d'aller au château. Il y aura moi à aller voir avant quand même. Hein. Je vais vous parler des mets de cette région. J'ai confondu avec une Chaos Emerald. Black Doom est fan de banane. Non, mais finalement, c'est finalement oui, je sais que dans l'épisode précédent, il y avait des gens qui ont demandé est-ce qu'il y a qui est le fan de banane ? Bah, c'est Black Doom, hein, définitivement. Il vole des bananes, il mange des bananes, il récupère des bananes. Black Doom a trouvé le levier. Allez, actionne-le ton levier, là, Black Doom. Oh, ça y est, on va pouvoir avoir notre coffre. Ça, ça fait plaisir. Super. Personne ne peut pleurer dans notre équipe. Bah oui, faut la mettre dans l'abri. Allez, on a plus de healer, c'est bien. Ah bah c'est déjà fini, va très bien. Attends, pas de temps à perdre. On n'a pas le temps de pleurer, voilà. Ça sert à rien de pleurer. Mais Vegeta, mais non, mais Vegeta qui pleure. Non mais puis quoi encore? À quel moment Vegeta il pleure? Non mais il arrive des fois. Notre Freezer il a pleuré. Ah oui c'est vrai en fait. Mais oui c'est vrai, il pleure Vegeta. Si, si, finalement, Vegeta qui pleure, c'est canon, ça, ça existe. Ouais, non, ça va, y a pas de souci. Il transpire des yeux, non, c'est vrai aussi. Non, finalement, ouais, c'est bon. Ah, on a gagné un truc. Amélioration des bonbons PM. Vous en mangez tellement que maintenant ça redonne 15 MP. Oh, ton équipe a mangé une belle quantité de bonbons PM. Tu vois, aussi bizarre que cela puisse te sembler, plus tu manges de bonbons, plus ils sont efficaces. Leur effet s'améliore à nouveau quand vous en aurez mangé 10. Bon appétit. Ho 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 ho. Ouais, le cheval là, il... Non mais... Ah mais oui, mais tu l'as séparé de son Vegeta aussi. Mais oui, mais il faut que tu deviennes ami avec les autres aussi. Et moi, c'est Vegeta, mon ami. C'est le meilleur pour donner des carottes. Et lire des histoires. Les chevaux dorment debout. C'est bon à savoir. Ouais, je me demande si je pourrais y arriver. Bah alors, Vegeta, on sait pas dormir debout?
Mais non, il... Mais non, mais Vegeta, il est incroyable. Ancel. Ah, le pied, maintenant. J'ai fini de monter Ancel. Bon, tu retournes là-bas. Et on va faire le jeu. Wow. Une épée à ruban rose. Ça donne envie quand même. Ça irait bien à ribbon. Allez, on va tenter. On en tente un. Je pense qu'on l'aura pas, mais... Franchement, si on arrive à l'avoir, c'est génial. On lui change plus jamais d'épée. Ouais, non, on l'aura pas. Oh, quoique. Oh. Oh oui. Ouh. Oh, on a eu l'épée à ruban rose. Mais ça, c'est beau. Oh là là, c'est génial. Oh là là, ça lui va... Ça va lui aller... Non, non. Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là, mais c'est incroyable! Non mais c'est pour ça! Moi je dis, il faut toujours tenter, il faut toujours tenter. Bon, il y avait Black Doom là qui était... Ouais, va Black Doom, va acheter ta tenue de Link là. Regardez lui. Ah non, ça va, il a acheté un habit en plein air. Tu vois, il a été en plein air et... Je peux le porter en invisible, je pense. Parce qu'il y aura jamais de... Il n'y aura jamais rien de mieux que cette tenue pour Black Doom. Mais non, il faut lui donner la tenue rapiécée à Black Doom, bien sûr. J'avoue que ça lui pourrait bien lui aller. Bon, allez. On n'a pas à manger, je crois. Non. Tali a faim. Et Vegeta veut de la magie. Bon, vous avez déjà tout goûté, genre. Il n'y a plus que des larmes dans le stock de repas. Bah ouais, mais c'est parce qu'on affronte que des Banshees en ce moment. Alors, c'est parti. Bon. Ah, c'est pour Black Doom. C'est vrai? Oui. Tu disais qu'il n'y avait rien qui lui irait mieux, mais je bec, tu diffères. Non, 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 il n'y a pas de noir, alors je suis pas d'accord. Bon, mais un rouge. Oh, c'est sûr que c'est incroyable. Hein. Tu peux lui mettre si tu veux. Hein. C'est toi qui as la manette après tout. Oh, mais c'est incroyable. Moi, je dis, on lui met. Hein. Vas-y, vas-y, mets-lui. On va lui retirer le chapeau. Oh, quoi? Quoique, moi je propose qu'on lui laisse. Mais franchement, c'est très bien. Moi je propose qu'on lui laisse pour le moment. C'est magnifique en plus. Même le jeu, il est d'accord. Même le jeu est d'accord. On va attaquer Banshee. Ah. Il nous faudrait des bonbons. Il veut des bonbons. Mais non, Black Doom, on a besoin de nous attaquer là. Ne te laisse pas distraire. Il y a plein d'ennemis. Allez hop, lui il est mort. Oh, elle est tellement contente. Tu vas bien? Bien sûr que je vais bien. Ça se voit pas. Vegeta il en a marre là, c'est bon. Allez Black Doom. Oh, oh Black Doom. Ah, t'aurais pu attaquer là, la Banshee non? Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Poser un piège? Mais non, il attaque la Banshee en premier. Il a attaqué l'autre truc en premier. Mais il attaque toujours dans ce sens-là. En fait, je sais pas s'il peut choisir. En fait, je sais même pas. En fait, je sais pas, on a jamais joué une case comme ça. Nous, on connaît que prêtre. Ah là, c'est bon. Au moins, elle est montée niveau 2 avec son cheval. Oh, ils veulent s'occuper de la discussion. S'occuper de la discussion. Et si on instaurait des règles dans la chambre? Ouais, bonne idée. Super, alors la chambre doit rester propre. Mais bien entendu. L'auberge doit rester propre. Ok, pourquoi pas. Tu serais pas un peu maniaque? Mais ça le rend heureux. Non mais c'est... en fait, il veut envoyer... Le monde doit rester propre. C'est une métaphore. Des humains. Oui voilà, c'est une métaphore. Je dois nettoyer le monde des humains. Et tu sais quoi, Vegeta, moi j'aime bien cette team, il n'y a pas du monde. J'avoue. Bonsoir à tous, votre chaîne YouTube est tout simplement excellente. Merci beaucoup, Ange de Lumière, et bienvenue. Bah déjà, je voulais... Peut-être mettre Ribbon avec le cheval. Oui, c'est ça, exactement. Comment t'as deviné que c'était exactement ce que je comptais faire? Bon, là. Ah, oh, 3 tickets de sortie. Ouh, ouais, non, finalement, j'allais dire, là, je le sens pas, tu vois. Et puis des Banshee larmes, ça nous fait. Oui, bah attends, franchement, si on a des Banshee larmes, moi, je saute au plafond. Bon, bah, je ne sauterai pas au plafond, quel dommage, mais bon, on a 3 tickets de sortie. Donc, je propose qu'on fasse une petite sortie. Mm-mm. Je vais peut-être sortir Ribbon, là, ça fait longtemps qu'elle est pas partie en voyage.
Mais elle va partir avec Tali. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh, la bibliothèque, c'est nouveau en plus. Allez, vas-y, Ribbon, va à la bibliothèque. Bien, un truc de fait, c'est pas Black Doom qui va aller à la bibliothèque. Mais oui, et si on allait lire à la bibliothèque? Oh, il est déjà tard. Je le sens pas. Qu'est-ce qui vont se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dis, Tali, les trucs qu'on utilise pour diriger le cheval, ça s'appelle comment déjà? Les rênes, tu devrais savoir ça quand même. Enfin, je sais pas, y a pas de chevaux dans ma planète. Et le truc sur lequel on s'assied? T'es sérieuse là? C'est la selle. Ouais, d'accord. Et comment on appelle les animaux qui ont des sabots déjà? Les sabotins, les sabotidés, les saboteurs, je sais plus. Ce sont des ongulés. Ah, moi je connais ça, c'est une pièce de bœuf. Oh, l'engloutisane. C'est mes préférés des engloutirants. Bah tiens, on va la faire goûter à Ribbon. Ah mais... Bon, elle est su. Ribbon ou Tali? Vas-y, d'après toi. Ribbon, elle est super lente, alors un peu de vitesse ne lui ferait pas de mal. J'avoue, 7. Bon, tu me diras, elle va jamais rattraper qui que ce soit avec ça. Ouais, mais bon, on l'aide un peu. Bon, et bonsoir à ceux qui arrivent. Bon bah Ribbon, elle va quand même manger le jus de Banshee. Hein, donc... Non mais du coup, elle a mangé deux fois. Black Doom veut aller à la bibliothèque pour en apprendre plus sur les yeux humains. Alors... Ah. Déjà la scène. Ah bah non, lui il a déjà sa tenue, donc c'est à toi Black Doom. À toi Black Doom. Black Vegeta. Black Vegeta. Non, Vegeta. On plaisantait. C'est de Black Doom. Il me disait tellement banane PV, j'ai oublié ce que je devais acheter. Il lui dit des trucs pendant qu'il dort dans l'oreille. Ah, ça y est, on va pouvoir rencontrer la U. Moi, comme. La U. Moi. Moi, comme. Oui, c'est moi. Comme c'est dit dans le milieu. Oh. 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 Ah. D'accord, mais j'ai... Allez, salut. Et c'est reparti. Comment ça, et c'est reparti? C'est encore moi, Black Doom. Attends, il est tombé. Il est sur le cheval. Oui, bah... il est tombé du cheval. N'importe quoi, Vegeta. Et n'importe... Vegeta, va t'affronter. Ah, je peux monter avec... Ah oui, d'accord. J'espère qu'elle pourra redescendre. Ah oui, c'est moi, elle a déjà redescendu. En fait, c'est bien mieux d'attaquer avec le cheval, du coup. Moi, je sais pas si au bout d'un moment, il dira « Non, je veux plus. » J'avoue. Oh non, il fait des grimaces. Oh non, il a fait des guilis. Mais... Oh, moi, je veux pas de guilis. Ah, mais là, je peux plus le faire, ok. Oh, d'accord, ok. Il s'est fait battre par le pouvoir de la sucette, quand même. Attention! Vivement le prochain combat. Salut Sabrine. Ah bah il est remonté. Oh, quelle classe. Il est fier. Et il après est fier. Il tombe du cheval. Oh, ça c'est pour toi Black Doom. Mais non Black Doom! Ah tu peux plus monter sur le cheval là. Ah ouais, peut-être une chance que... On ait le truc. Ah, dommage, tu n'as pas tué. Yéhéhé. Non mais Black Doom, en fait, il est trop bon en prévision, en fait. il sait quand est-ce qu'il va se faire attaquer. C'est beau. Mais d'un côté, est-ce que c'est si utile, tu vois? Putain, mais il est incroyable, notre Black Doom poussin, quand même. T'aurais jamais cru voir ça de ta vie. Ah bah oui, non mais... On dirait qu'on a gagné. Je sais même pas, on a gagné des trucs. Enfin, je sais pas, ils drop des trucs, les machins. Je dis même pas ce qu'on gagne aujourd'hui. On gagne de la nourriture en général. Voilà, comme ça. Ah, on gagne une gelée baveuse, ok. C'est dommage que tu passes parce que ça a l'air incroyable. Oui, j'avoue, mais je sais pas. Ah, la voilà. Miam, miam, miam. Oh, 1 000 milliards de 1 000 saveurs. Quel délice, quel fondant. Sans être trop sucré. Et sans le moindre arrière-goût amer. Ah, ça c'est bien pour toi.
C'est comme un souffle d'air frais caressant les vertes plaines. J'allais dire praline. Tiens, bonjour. Je suis l'eau, le gourmet voyageur. Rien ne me procure plus d'émotions que les délices de la grande cuisine. Il faut absolument que vous goûtiez vous aussi à ces émotions. Voilà le cheesecake. C'est très rare. Bon appétit! Vegeta, il n'a absolument rien dit. Alors combien sur 20 ce gâteau? Franchement, il était délicieux. Il a au moins 1 milliard sur 20. Oh, c'est beau. Un gâteau au fromage. Ah, là, c'est voilà. 100 habitants, bien joué. Ah, on augmente notre salière. En vrai, ça te va bien. Mais oui, non, mais très contente de ce tirage. Oh, la gratitude des habitants que tu as sauvés renforce tes pouvoirs. Tu apportes de l'espoir à tout Mythopia. Continue à vaincre les monstres qui se redressent sur ton passage. Prochaine étape, sauver 150 habitants. Bon courage. C'était Likiboud. Bah, en même temps, Ribbon l'a laissé pour aller voir le cheval. Ah. Non, c'est pas que le haut est rasé, c'est juste que ma frange, elle est sous la perruque. Tiens, une carotte, allez, mange! Nicolas s'est régalé. Ah, et maintenant, il danse. Allez, maintenant, tout le monde est à niveau 2 avec le cheval. Enfin, non, pas tout le monde. Non, bah non, il reste Black Doom. Il manque encore notre cher Black Doom, qui va sans plus tarder rejoindre son ami. Mais toi, t'es niveau combien avec... Avec Vegeta 4. Oui, bon, par rapport à Taliki niveau 7. C'est l'heure du jeu. Non. Aujourd'hui, ce n'est pas terrible. Le cheval vient d'ami. Bah, en fait, on a tiré au sort quelqu'un pour nommer le cheval et il s'agissait de Nicolas. Mais comme on n'a pas regardé son Mi, peut-être qu'on relookera Nicolas en conséquence en fonction du Mi. C'était Nicolas proposé par... Nicolas. Ah, très bien, très bien. Ah bah. Il a acheté son arme. Bon, c'est l'heure de donner à manger. Et qui va avoir le droit au superbe cheesecake? Déjà, qui ne va pas avoir le droit? Déjà, au... Vegeta, c'est de base, il doit l'avoir puisque c'est lui qui a rencontré moi. Moi. Donc, oh, il s'est régalé. En même temps, qui n'aime pas le gâteau au fromage? Alors ensuite, j'avoue que ça ensuite, ne servirait à rien à Black Doom, je pense. Je propose pour Tali, déjà. Tali, elle a trouvé ça sympa, sans plus. Donc tu proposes ensuite que ça aille pour Mademoiselle Ribbon? Bah, je sais pas. Au choix. D'un côté, à chaque fois qu'on donne un truc sucré à Ribbon, elle aime pas, donc... peut-être que Black Doom apprécierait plus. Même si Vegeta te dit, j'aimerais bien en avoir une. Tu l'as déjà eu, Vegeta. Alors, le poussin ou le ruban? Ouais, moi je pense que Ribbon, elle aimerait mieux. Je suis sûre qu'elle va pas aimer. Oh hey, hey, moi je le sentais, tu vois. Ça y est, elle aime quelque chose. Moi je le sentais. Elle aime le jambon aussi. C'est vrai. Ah, mais mince, mais oui, c'est vrai que lui. Bah, du coup, Black Doom, il faut qu'il mange des champignons. Bon, bah. Arrêtez de monter mes MP, après vous vous plaignez que je fais tout le temps. Les bonnes à 1 en magie, bah elle a pas besoin de magie, c'est pour ça. Bon, elle va pas faire une sortie maintenant, c'est pas le moment. Nous on va aller au château là. On va aller faire des tirages s'il vous plaît. Ouais, j'avoue là. Ça va être le moment. Qui sera dans le château? Ah bah nous y voilà. Le casting. Ah, on sort juste le roi? Ah non, roi, princesse, la fille unique du roi, la beauté sans égale, elle éprouve un amour secret. Le prince du royaume d'à côté, un arrogant fils à sa maman, fiancé à la princesse. Un ami d'enfance de la princesse, qui ne peut plus la voir que rarement. Choisissez un ami pour ces personnages et vous savez ce qu'il va se passer dorénavant, puisque c'est le moment où je vais disparaître et que ça va bientôt être la fin du stream, donc voilà, c'est beau. Oh. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Et vous inquiétez pas. Partir tirer espérant qu'ils soient là aussi. Oh, j'avoue, c'est ça qui fait peur. Bah, s'ils sont pas là, c'est pas grave. On trouvera un arrangement. Alors, on cache l'écran. Et puis regardez-moi ça. Il y a du progrès par rapport à la dernière fois. Cette fois-ci, le chat reste sur l'écran. Ah, très bien, très bien. J'allais dire notre bon roi n'est autre que. Et là, c'est un mi qu'on n'a pas. En fait, je dis ça, mais. D'abord, regarde les mi. C'est. Mi existant. Je peux dire un mi existant. De la console Switch. Non, non, de là, de nous, pardon. Non, c'est bon, ils sont tous là. Okay, très bien. C'est donc Morshu.
Oh. De bout en train. Ah, le voilà. Oh, oh hey, ça lui va, ça super lui va bien. Trop bien. Oh, ça lui va trop bien. Oh, il est magnifique. La princesse, la princesse, la princesse. Vous n'en reviendrez pas. Oh, oh. Est-ce que je vous le dis maintenant? Vas-y, on va chercher le mi déjà. La princesse n'est autre que... Oh, c'est trop bien. C'est la princesse Aurore de Pokémon qui a été proposée par Flammy. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, j'avoue que j'ai précisé Aurore de Pokémon. C'est vrai que la dernière fois, on vous avait laissé le suspense en mode on avait dit je sais plus quel perso. Et vous étiez en train de dire, ah, est-ce que c'est ça? Et non. Mais bon, là, cette fois-ci, j'ai dit. En fait, c'est parce que je me rappelle. Non, mais que... en fait, voilà, Aurore. Elle je a... me rappelle qu'en fait, c'est parce que dans le formulaire, c'est écrit Aurore entre parenthèses Pokémon. C'est très bien, Aurore. La robe, c'est sa robe de concours, comme ça. Donc là, c'est le prince. Le prince du royaume d'à côté. Ouais, c'est ça. Oui, c'est la fille avec le tiplouf. Le prince du royaume d'à côté. Je sais que son créateur... Enfin, c'est pas son créateur, puisque je crois que c'est toi qui as fait le mi. Je sais pas qui c'est, donc ça, je peux pas la dire. Proposition est dans le chat. Oh. Donc, il est là. Ne dis rien. Je ne dis rien, d'accord, très bien. Ne dis rien. Je ne dis pas non plus qui l'a fait. Ne dis rien pour l'instant. Je ne dis rien. Le chat sait, c'est pas possible. Le chat sait, c'est pas possible. Ah mais tu vois, c'est... c'est très bien, c'est très bien. Allez, allez. Et donc... Où est-il? Il est là. C'est très bien. Voilà, le petit noble ruiné n'est autre que Pyra, proposé par Benflamme 20. Et très joli mi que tu as fait d'ailleurs. Ah oui, merci, c'était un mi en collab. Tu l'as fait avec moi. C'est vrai, c'est un mi en collab. On l'a fait à deux. Bon allez, vous allez voir la vérité. Qui est le prince du royaume d'à côté? N'est autre que Joshua. Donc voilà, Morchu, Aurore, Joshua et Pyra ont rejoint la partie. Joshua proposé par Crystal. Mais non, mais si. Eh bien, on est parti. Morchu, ça lui va tellement bien. Mais Morchu, ça lui va tellement bien. Ah, mais Morchu, il est bien. Mais de tous les rôles. Ah, mais je sais pas si on s'arrêterait pas là. Tu si, vois. On va s'arrêter là. Là, on s'arrête là. Je pense qu'on on s'arrête là. Le chat devient fou. Si c'est Joshua de The World Ends With You, c'est Joshua de The World Ends With You. Au grand désarroi de Crystal. Mais au moins, Crystal, ça veut dire que ton mi, on le verra. Joshua, le pourri gâté, ça ne me surprend pas. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette partie. On se retrouve pour la prochaine dans quelques jours pour YouTube et dans quelques instants pour Twitch. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour la suite. Au revoir. Salut tout le monde.